Oh putain. Bonjour les amis. On se retrouve une fois de plus hein, sur un de mes spots préférés. Hein. Ça c'est toujours le... Vous le savez, je l'adore. On est sur les... Les petits virages de Nuke, au guidon de cette GT9, cette Tracer 9 GT. Je vais pas trop vous la présenter, donc on vient de se faire le trajet d'aller sur cette bécane qui est juste une merveille pour voyager. On n'a pas une chance de fois avec le temps, malheureusement. Mais c'était quand même, ça reste toujours quand même très sympa. Donc on peut déjà dire agite de chez Trustbike, tout va bien. Saboto est en pleine forme, on s'est régalé avec, et là je fais ma première sortie sur le sec, parce qu'on n'a pas eu du très beau temps jusqu'à présent. Donc là je la découvre un petit peu dans ces contours de Nuke. C'est quand même un peu un juge de paix pour tous les bécanes, parce qu'il faut du couple, il faut de la puissance, il faut de l'agilité, et c'est ce que je retrouve au guidon de cette Tracer 9. Évidemment, Tracer 9 GT qui est équipé du shifter, qui est un allié très important sur ce titre de montagne. Donc je vous le rappelle, hein, pour ceux qui seraient sur la première découverte des routes sinueuses de Suisse, donc toujours bien rouler au centre des bandes lorsque vous prenez à gauche. Parce que en plus ça va être l'heure des cartes postaux, je crois. Donc ouais, je veux toujours être bien tranquille. Alors c'est amusant parce que moi je viens descendre pour... comme je savais qu'il y avait des travaux en bas, j'en ai profité pour m'équiper. C'est pour ça que j'ai fait un démarrage assez vif. Parce qu'il y avait juste un camion qui arrivait juste derrière moi, donc ça aurait été bête de m'ennuyer sans le camion. Et donc vous voyez aussi que lorsque je monte des vitesses ou je les descends, ça m'arrive d'utiliser ou le shifter ou l'embrayage. De temps en temps c'est plus agréable d'utiliser l'embrayage, c'est moins sec. Ici on peut se faire plaisir de toute façon dans les deux cas. Donc vous voyez toujours la même idée, hein. Vous rentrez dans le virage avec toujours le pied légèrement sur la pédale de frein arrière pour stabiliser au cas où. Les fameux panneaux fair play, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, je vais essayer de vous montrer le suivant. Fair play qui veut dire que lorsque vous êtes en montagne et que un conducteur plus rapide ou un valaisan, enfin quelqu'un qui habite ici, ou un gars comme moi qui a la chance d'y venir depuis 50 ans, soyez fair play et laissez passer à la personne qui vous rattrape. Ici, pour le coup, on est dans Nuke, donc je vous fais visiter la montée de Nuke. Nuke, quasiment mon semi-village natal, parce qu'effectivement, je viens ici depuis que je suis né, au minimum un mois par an. Parce que j'avais une santé fragile. Je sais que ça n'a pas l'air comme ça, mais si, je suis un petit garçon avec une santé fragile. C'est mignon. Et sinon, pour le reste, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les aléas du calendrier voulaient que normalement, je parte avec une Tracer 9 GT Plus en Suisse. Et que finalement, la Tracer 9 a été repoussée. La GT Plus a été repoussée un peu moins. Donc, en fait, c'est assez... Alors bon, j'étais hyper content, super content que Gilles ait eu la gentillesse de me prêter sa Tracer 9 GT perso pour que je vienne en Suisse. Donc c'est pas mon Gilles habituel, hein. C'est pas Gilles Caméraman, c'est Gilles de chez Trustbike, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, ce qui est assez amusant, c'est que je rentre en Belgique et j'ai une Tracer 9 GT Plus, ce qui va me permettre justement de faire un vrai comparo puisque j'aurai la chance d'avoir les deux. Donc comme vous voyez ici toujours, c'est ceux qui remontent qui ont la priorité. Et là, je me rends compte qu'effectivement, je commence à rattraper du monde. Donc je risque d'être un peu freiné. Et je vois que mon micro a un petit peu tourné comme d'habitude. Je vais aller remettre là-bas en dessous. Je ne sais pas me prendre dans la gueule. Voilà. Ça fait aussi partie des trucs. On vous compte, disons 6 ou 13. C'est important de rester concentré, ce que je ne fais pas, puisque je suis en train de jouer avec le micro, et aussi
il y a encore plus de possibilités de pouvoir un petit peu prévoir les choses, puisqu'il suffit de tourner la tête pour voir ce qui se passe au-dessus, en dessous, et donc vous pouvez, comme ici, faire un petit dépassement parce que la voiture m'a gentiment mis son clignotant à droite pour me signifier le fait qu'il me laissait passer. Alors c'est aussi super intéressant de voir que je suis venu avec le fiston, puisque je suis aussi avec le Rebel en son DCT. Effectivement, vu qu'on s'est chopé vraiment de la flotte pendant 48 heures en venant, on n'a pas eu trop l'occasion de rouler. Et donc quand Nicolas est arrivé dans les lacets, enfin dans les contours de Nuuk et dans toute la montée du Palais-Nuvier, il s'est retrouvé un petit peu dépité parce que c'est quand même une conduite très différente de ce qu'on a l'habitude de faire nous en Belgique. Il s'est retrouvé sur ces routes escarpées où il faut effectivement ne pas avoir de... la peur du vide, parce que sinon t'es mal. Parce que on voit effectivement qu'on est quand même toujours sur des routes au bord du ravin. Donc si jamais t'as peur du vide, ça va d'autant plus se tendre. Et c'est vrai, quand il est arrivé, il avait un petit peu perdu l'habitude de rouler sur des routes. Il faut imaginer que les lacets de Nuuk, c'est vraiment les lacets que vous avez vu tout au début. C'est des virages à pratiquement 180 degrés, mais en plus avec une pente énorme. 180, j'exagère peut-être un peu. Donc c'est de demi-tour, mais avec vraiment un dénivelé entre l'entrée et la sortie du virage. Et donc il faut être extrêmement souple. Parce que si vous n'êtes pas souple, vous allez, ce qu'il avait fait au départ, donc il s'est bloqué les bras. Et du coup, la moto ne tournait pas, évidemment, parce que la roue avant était vraiment en charge. Et ça tournait pas. Il a vraiment pris aucun plaisir. Heureusement, nous étions équipés d'un cardo. Donc j'ai pu à un moment lui dire, écoute, détends-toi. Parce que là, tu vas te faire du mal. Tu es en train de te fatiguer sur les virages. Et donc, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, soyez humble quand vous arrivez ici. C'est pas parce que vous avez l'habitude de venir, de rouler sur nos petites routes belges qui sont légèrement sinueuses. On peut pas dire que c'est vraiment de l'hyper sinueux. Donc, ici c'est très différent parce qu'il y a effectivement l'altitude qui joue, il y a la peur du vide et c'est vraiment ces routes extrêmement escarpées. Donc, il faut rester très très humble face à ce genre de choses. Alors, je crois que malheureusement, j'avais fait un calcul, puisqu'il y avait les travaux en haut, il y avait deux minutes de feu rouge, donc je me suis dit, il y a moyen que ça roule, mais c'est pas le cas. Je continue de vous faire visiter le coin. On est vraiment dans la montée de Vissois. On déclasse, c'est pas bien ça. On dépasse des touristes, et on ne déclasse pas des touristes. Des cyclistes, pas des touristes. J'adore régulièrement utiliser le terme de touriste alors que je suis un touriste. Même si je viens très très souvent ici, je reste un touriste, puisque effectivement je ne suis pas suisse. Ça ne me revient plus d'être suisse. Pas pour tout, hein, parce que comme vous voyez par exemple ici, là on vient de faire un tout petit morceau entre Nuuk, entre vraiment la base du Val d'Amivier, quasiment la base à Sierre, et là on va s'arrêter à Vissois. Vous voyez déjà le temps que ça met pour monter de l'un à l'autre. Donc j'aime autant vous dire qu'ici, quand ils viennent, ne fût-ce qu'au cinéma, ils en ont pour l'après-midi. Si t'es jeune et que t'as pas de bagnole, si tu dois y aller en carte postale, ça devient assez long. Alors autre chose ici, on va arriver sur un morceau de ligne droite, sur un plat. Et alors il faut imaginer qu'ici en Suisse, évidemment, dans les cols, c'est un peu compliqué de mettre des flashs, enfin des radars. Ici par contre, il y a une longue ligne droite, et il y a la possibilité de mettre des radars un peu partout. Même de se mettre de l'autre côté et de chronométrer la moto du début à la fin du truc et de voir en fait sa vitesse moyenne et comme ça de pouvoir l'amender, utiliser le truc en Suisse. Donc lorsque vous voyez des longues lignes droites bien dégagées sans arbres, ne faites pas les farces, c'est là que vous risquez de vous faire choper. Donc dans ces cas-là, soyez bien sage, roulez à votre aise. D'ailleurs vous le verrez quand vous tomberez, je ne sais pas si vous avez vu
ce que j'avais partagé là cette semaine, puisque j'ai eu la chance vraiment d'avoir des abonnés qui sont venus me dire bonjour sur mon lieu de villégiature, et dont une MT-125, et le mec avait vraiment son pneu arrière qui était rincé. Et donc c'est vraiment excellent de voir que les gars, même s'ils sont jeunes conducteurs, ici tu es obligé d'apprendre à bien conduire. Je crois qu'ici tu as deux choix, ou tu comprends et tu te fais plaisir, ou tu comprends pas et tu arrêtes de rouler en moto, parce que ça n'a aucun intérêt. Allez, on va se retrouver l'année dernière, il y a deux ans avec l'Africa Twin, j'avais démarré mes premières vidéos plus ou moins ici. Et comme ça, je vous ai montré la première partie, vraiment pratiquement de Sierre jusque Vissois. Donc, I love Val-d'Anniviers, I love les amis, à ciao les amis, bonsoir. Enfin, bonsoir, qu'est-ce que je raconte, c'est pas encore le soir. Quoique, c'est bientôt le soir. Hein. Allez, bye. Je retire tout.